Yo les potos, c'est Frill pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième épisode sur Automustam les gars. Enfin mon troisième épisode. Donc on va continuer la série tranquillement. Et je m'excuse pour ma petite absence sur YouTube. Genre j'ai mis, ça faisait peut-être 4 jours j'avais rien mis. Mais c'est que mon PC s'était remis à jour et j'avais plus rien. j'avais plus mes trucs pour monter mes vidéos, plus rien du tout. Donc le temps de tout réinstaller, tout bien réinstaller correctement, ben voilà. Donc on se retrouve à la cinquième salle du donjon Cancrebat pour la petite série. Donc on va aller voir les succès. Donc comme vous pouvez le voir, je prends les donjons pour chaque épisode dans l'ordre. Donc dans l'ancien vidéo, on a fait Boustache, on a fait le Chauffeur. Et là on est au Cancrebat pour le défoncer sa petite gueule. Donc c'est un succès niveau 40, il faut faire Collant et Dernier. Ouais, c'est bon, ça va faire. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'amener tous mes persos au donjon Borquette, au donjon des Borques, pour le quatrième épisode là-bas, au donjon des Borques, et j'espère que j'irai. Donc c'est parti, on va lancer directement les gars. Allez. Le groupe vient d'être détruit. C'est parti. Hop là, bon, j'ai beaucoup de trucs ouverts, c'est casse-couille, mais bon. Voilà. On va mettre ça en tactique. Donc je sais pas si les gars vous avez remarqué, mais maintenant je suis bien mieux référencé sur YouTube, enfin. Car jusqu'à maintenant j'étais pas du tout référencé, c'est dégueulasse le truc. Donc on me trouvait dans les dernières pages et c'était pas fou quoi. Et pourtant maintenant on retrouve dans les premières pages et ça c'était super cool. Bon, le combat il commence, il a commencé avant moi, donc là je vais faire une petite épée divine pour booster toute ma team. Et je vais me mettre là, je vais pas bouger pour l'instant, parce qu'on fait Collant et Dernier. Donc les Nutrof là, il va être assez utile. On va pouvoir l'utiliser parce que il tape à distance avec plus ou face aussi, ça pourrait être bien. Donc là, je vais pouvoir me booster aussi. Tac. Alors, je vais me mettre devant l'ennemi, comme ça il va pousser et j'aurai un peu plus de PO. Alors l'ennemi, il va aller déjà Mostimule les nus. Il va pousser avec mon frayeur le EK. Et il va se mettre en mode décisif. Voilà. On s'en est bien placé, j'ai toujours Collant. Excusez-moi. Hop hop hop. Donc j'ai 8 PA avec les nus, ça c'est cool. J'ai une sacrée PO, j'ai presque toute la map. Non, je sais pas toute la map, mais j'ai quand même une bonne PO. Donc je vais faire tac tac tac, je vais faire cupidité pour booster tout le monde. Et je vais mettre là pour commencer le Mirilon. Et c'est parti. Donc je rock du sang, donc on va mettre les dommages dans le chat. Il va falloir que je le rock un peu lui parce que il commence à me casser les couilles, là je le sens. Tac tac, je vais faire une puissance sur le Yop. Et on envoie une épée divine dans le tas. Et on va se poser derrière l'ennemi pour pas lui cacher la ligne de vue. Ça c'est nickel. Donc j'espère que vous aimez toujours cette série les gars, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse autre chose, il n'y a pas de souci. Mais elle me tient quand même à cœur cette série, donc je la continue jusqu'à ce que je meure. Donc ça va être sympathique à voir, moi je vous le dis. Je vais mettre devant les nus comme ça, je vais pouvoir décaler mon ennemi devant les cas. Hop là là. Je vais pouvoir faire un double mot déroutant. Ah non, j'ai pas les... Deux mots, c'est comment ça s'appelle déjà? Mot alternatif, voilà, pour tuer le maigrillon. Il me reste plus que 3 à tuer, plus de 2 plutôt. Deux petits mobs et un petit boss, comme ça au calme, ça va le faire. Donc là, je l'envoie quand même du 120 dans la gueule, x3. C'est violent. Même 130 en coup critique. Bon, j'ai quand même tapé le boss pour commencer. Ce sera toujours ça de fait. Et je vais me cacher derrière les cas. Boum, il tape du moins 67 sur le Yop. Et il fait du moins 50 sur les deux, sur le Lenny et l'Eka. Bon, c'est pas fou comme Rox, hein, mais. On va pas non plus s'en plaindre. Je vais me mettre là, voilà, j'ai trop de PA. J'ai pas la PO, c'est dommage. Tac tac tac, c'est pas grave. Je sais qui est plus dur, voilà, c'est le. C'est l'Eka. Et je vais faire. Non, pas couche plus tard. Je vais décaler le Lenny parce que sinon il ne pourra pas taper. Ouais, je vais décaler Lenny là. Il ne pourra pas taper. Voilà, l'Eka. En tout cas, il va se caler devant Lenny. Il va essayer
je vais mettre là et je vais essayer de taper. Voilà, le paradis pour finir. Plus qu'à tuer le carf arraché et c'est bon. Le succès, déjà dernier effet. Collant, je fais toujours là, j'essaie pas trop foirer. C'est pas cool. Je vais mettre un PA OEK et je vais envoyer un déroulant de temps sur le Cancrobat. Voilà, donc je l'ai pas tué, c'est ce qu'il faut. Lenny va essayer de finir le dernier petit ah, ça va être chaud. Je sais pas si je... Non, je vais faire 3 fois de son, on va voir cette pièce. Voilà, double moins 90. J'ai pas de sort qui tape, c'est dommage. Donc il réinvoque un petit parasite. J'espère qu'il va pas taper trop fort. Voilà, moins 40. Lui, à mon avis, il finira pas, mais je vais essayer de le mettre là. Ah non. J'ai pas la PO encore. C'est pas grave. On va passer calmement. Faut pas que je passe trop non plus et que je me fasse défoncer parce que ça c'est pas cool sinon. Je vais faire quoi là? Je peux pas le pousser. Je vais faire un contre-coup pour gagner de la vie. Voilà. Je vais sauver encore un tour. Et je vais attendre. Je vais passer aussi. On va attendre le tour de l'aîné qui joue maintenant pour essayer de finir. C'est bon. J'envoie deux mots sélectifs à moins 90 et ça te finit. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire dernier dans. J'ai plus qu'à faire dernier et c'est bon. Donc franchement merci les gars pour votre soutien. Encore merci, je vous dirai merci jusqu'à la fin les gars. Ça c'est clair et net. Et il n'y aura pas de fin avec moi, donc il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai bien fait Colin. Donc comme vous pouvez le voir, je suis bien référencé. Je me suis aussi créé un compte AdSense pour monétiser mes vidéos, ce sera plus tard, je vous en reparlerai. Et voilà. On va envoyer un petit putsch avec une petite épée du jument. Voilà, qui tape un peu mes personnages, on s'en fout. Colin est toujours là. Il a plus 4 points de vie, mon EK. Failli crever, mais c'est pas grave. Je vais envoyer directement. Je passe. Et je vais finir avec mon petit ennemi, j'espère que je pourrai finir. Non, je finirai pas, mais c'est pas grave, on va finir avec l'ennemi. Voilà, là, je fais par mon équipe, c'est pas grave. Et on finit calmement, et on a tous les succès, les gars, normalement. On va voir ça tout de suite. Tan, 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 tan. Voilà. Les 3 succès sont bien débloqués, c'est ce qu'il fallait. On va les accepter directement. Niveau 53, mon petit ému, ça c'est nickel. On va aller voir ce qu'il a comme nouveau sort. Tac, tac, tac. Maladresse de main, c'est pour ça que j'en ai pas besoin. Et c'est Karak. Ouais, on va mettre en vitalité là pour l'instant. Parce que comme vous savez, sur Tomustam, il faut beaucoup de vitalité pour survivre. Et le rock, c'est un peu secondaire, contrairement sur le film. Voilà, hop, Cancrobat, tac, ça me fait un peu 15 000 km par perso. Mon petit Tenny qui est niveau 67, ça c'est bien cool, il est bientôt niveau 70 et ça rend que du pâté. On va faire d'autres donjons plus tard. Ah, mon EK qui passe niveau 51, on va pouvoir lui mettre sa petite panoplie ronce avec sa crinière du bandoule. Regardez, je vais le jouer en... Hop. J'ai même mis les bottes tutorial, j'ai tout là. Avec les deux anneaux, ouais, c'est nickel, hein, vitalité. Je vais quand même mettre à l'attractivité, parce que quand il y a vitalité, je vais quand même mettre 20 force et 2 critiques, c'est quand même mieux. Donc voilà, on se retrouve avec 770 de vitalité, 5 PM, 7 PA, ça c'est fou ça, 5 PM, niveau 52. Et on a 243 de force, encore, j'ai pas encore tout augmenté. Il est pas stylé avec sa petite panoplie ronce qui est gratuite là. Et on va finir avec le petit Yop qui va EP 52, ça c'est nickel. Hop hop hop. Donc c'est un full agi avec 413 agi. Et voilà. J'ai hâte qu'il soit niveau 70 ce petit Yop et tu vois que ça à l'épée céleste, ça va faire du bien. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, je vais vous sortir ce soir une deuxième vidéo d'Asus Kama car j'ai pris un peu de retard et je vous la sors direct. Y'a pas de soucis. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire.
en commentaire, un petit commentaire qui fait plaisir, ce que vous voulez voir sur ma chaîne, n'importe quoi. Et n'oubliez pas de like, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à plus les amis.